Donc cette fois-ci, j'ai chargé une autre image et cette fois-ci, on a bien donc la reconnaissance de la face qui est là. Et donc, je me suis déjà amusé avec ça, donc je vais tout simplement réinitialiser. Et il est possible sur une photo, si vous aviez plusieurs visages, qu'il puisse détecter plusieurs visages. Donc vous avez le visage 1, visage 2, visage 3. Alors, vous pouvez modifier les yeux. Alors, vous pouvez modifier soit l'œil gauche. S'ils sont liés, ce sont les deux que vous modifiez. Si vous enlevez la liaison, vous pouvez vous amuser à bouger simplement la taille des yeux. Voilà. La même chose, on pourrait augmenter aussi la taille de celui-là, peut-être diminuer un petit peu pour qu'il soit plus aigu. Ouais, okay. Donc on peut également modifier la hauteur des yeux. Voilà. On peut modifier la largeur des yeux. Vous voyez que ça prend un peu dans le nez, mais si vous voulez vous amuser, vous pouvez prendre l'outil, il est ici, l'outil de blocage de masque, et venir dire que ça, vous le bloquez. Donc à ce moment-là, si on bloque ceci et qu'on bouge la largeur des yeux, le nez est beaucoup moins affecté. On pourrait qu'on remette un tout petit peu plus ici. Donc si on prend cette manière et la largeur, ils sont liés évidemment tous les deux. Donc si je bouge que celui-ci, ben, ça affecte nettement moins le nez si on veut le faire. On peut bouger l'inclinaison des yeux, toujours soit on les lit ou pas, donc on pourrait voilà, mettre, si les yeux n'étaient pas tout à fait au même niveau, on peut bouger la distance entre les yeux. Voilà. Pour le nez, ben, vous pouvez bouger la hauteur, vous pouvez bouger sa largeur, la même chose pour le sourire. La même chose pour la lèvre supérieure. Donc une fois que Photoshop a reconnu ceci, on peut même modifier la hauteur du front, l'agrandir ou le diminuer. On peut bouger la hauteur du menton, on peut bouger la forme de la mâchoire et on peut même bouger légèrement la largeur du visage pour rendre quelqu'un un peu plus mince. Donc ça, ce sont toutes les options qu'on a pour l'outil visage lorsqu'il est reconnu. Et donc pour ce faire, en général, il faut que les visages soient plus ou moins droits. Quand ils sont, je vais dire, un peu couchés, ça ne marche en aucun cas. Donc voilà pour le dernier.